deux jours, nous célébrons l'armistice de la Première Guerre mondiale. Pour ce 11 novembre, ils ne sont plus que quelques anciens combattants de cette grande guerre encore présents, encore en vie. L'un d'eux, Lazare Ponticelli, a promis de témoigner tant que ça lui serait possible. Des Lorrains passionnés d'histoire sont allés à sa rencontre. Regardez. Dans le coffre de cette voiture, une partie de la collection de David, Julien et Sébastien. Ces Lorrains passionnés d'histoire s'étaient jurés de rencontrer l'un des derniers poilus vivants, Lazare Ponticelli, 108 ans. Monsieur Ponticelli, on vous a ramené des objets de la guerre de 14. Ça vous rappelle quelque chose? J'avais ça, mais ils étaient là. C'était les officiers qui avaient des moteurs brillants comme ça. Ah, qui brillaient beaucoup, hein? Les soldats avaient plutôt des casquettes. Italien émigré en France à l'âge de 9 ans, Lazare Ponticelli s'est engagé dès 1914 dans la Légion étrangère. Il est en Argonne lorsque l'Italie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Démobilisé, il retourne dans son pays d'origine et combat dans le Tyrol, un uniforme de chasseur alpin italien sur le dos. Gourde et casquette autrichienne en main, Lazare Ponticelli se souvient. Bon, on sait la guerre, les tranchées, tout ça, mais c'est pas ça que je voulais savoir. C'était plus la vie, on va dire, comment ils mangeaient, comment ils se reposaient dans les camps d'entraînement. Et ça, c'était important, parce qu'on a tendance à oublier. Bon, on sait les assauts, les tranchées, les obus, mais c'est pas ça qui m'intéressait. C'était vraiment savoir la vie du soldat, ce qu'il ressentait, la peur, les craintes. La mémoire joue parfois des tours à Lazare Ponticelli, mais il se souvient très précisément des fraternisations avec les Autrichiens et de ce jour où il a sauvé la vie de deux pères de familles nombreuses, un Français et un Allemand. Ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier parce qu'on a souffert et on savait qu'on allait à la mort. C'est pour ça que je dis attention de ne pas en faire une autre.